Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui n'a rien à voir avec d'habitude. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, que je fais ce genre de concept et puis c'est super, moi j'adore, voilà. Donc en fait j'ai réalisé un swap avec Manuela, alias mes pensées créées. Vous la connaissez certainement parce que c'est une très talentueuse youtubeuse et créatrice. Donc je suis ravie d'avoir pu faire ce swap avec elle. Et en même temps, je suis aussi extrêmement gênée, j'ai honte de ce que j'ai fait, je sais même plus où mettre, c'est... Oh, je vais vous expliquer après, mais je suis un peu déboussolée, je sais même pas comment je pourrais dire, j'en sais rien, je suis dans tous mes états, quoi. En fait, on a été censé faire un petit swap, je précise bien un petit swap, parce que c'est la première fois pour toutes les deux, donc on voulait pas faire quelque chose de grand, on voulait commencer par quelque chose de petit. Tout petit, on s'était juste fixé 7 petits cadeaux sur le thème féerique, fantastique, nature, tout ce qu'on aime toutes les deux. Pour ça, il n'y avait aucun souci, hein, on était bien. Voilà. Je sais plus au secours, je suis carrément perdue là. Oh, je sais plus où me mettre, c'est hallucinant. Ce que je lui ai envoyé, franchement, j'ai l'impression d'être nulle à chier, d'avoir fait les choses vraiment à l'arrache. Je sais pas comment dire, ouais, j'ai honte de ce que je lui ai envoyé, mais complètement honte quoi. J'ai envoyé ça dans une petite enveloppe bulle toute classique et elle m'envoie ça dans un énorme carton. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit qu'est-ce qui m'envoie ça? Et quand j'ai vu le nom sur l'adresse et tout le tralala, je me suis dit non, c'est pas possible, elle se fout de moi. C'est une blague. J'ai dit non, mais non. Alors attendez, on descend ça sinon on voit plus rien. Non, je fais putain, mais non! J'ai cru que j'allais pleurer, quoi! Putain, la honte! Moi, j'ai envoyé ça dans une petite enveloppe bulle de merde! Et on m'envoie ça dans un super carton, super bien décoré et tout! Je l'ai déjà ouvert parce que pour éviter de le faire devant vous. Et ce que j'ai découvert à l'intérieur, je me dis, mais non! Tout est grandiose, c'est magnifique, c'est. Oh, j'ai honte de ce que j'ai fait, de ce que je lui ai envoyé. Mais vraiment honte. Donc il faut savoir aussi que le swap là, je l'ai reçu déjà depuis plusieurs jours. Donc ça a été une vraie torture pour moi de ne pas pouvoir l'ouvrir. Mais en fait j'étais overbookée avec les fêtes de Noël et tout. J'ai pas eu une seule seconde à moi. Ça a été vraiment le gros bordel. Là ça y est, aujourd'hui j'ai enfin le temps de pouvoir l'ouvrir. Donc j'ai vraiment plus que hâte. Alors j'avais caché la boîte pour pas trop me torturer l'esprit. Parce que oui, moi je suis quelqu'un d'impatiente. Et quand j'ai reçu quelque chose, j'ai envie de l'ouvrir tout de suite maintenant. Là. Et là ça fait quasiment une semaine que je l'ai reçu. Hein. Et j'avais pas pu l'ouvrir, hein. Comment je vous explique pas dans quel état je suis là. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir tout déchirer, tout ouvrir quoi. C'est hallucinant. Mais ouais, j'ai pris sur moi. Parce que sinon j'aurais pété un plomb, ça c'est clair. Donc j'avais caché bien précieusement son swap dans un coin pour éviter de me torturer l'esprit. Et enfin bref, allez, ça y est, maintenant je peux enfin l'ouvrir. Donc je suis plus qu'impatiente et j'ai trop hâte. Une vraie gamine là qui c'est mon petit cadeau de Noël donc j'ai trop hâte. Je vais éviter de faire trop de blabla sinon je sens que les larmes vont couler. Hein. Je suis quelqu'un très émotif, j'ai les larmes qui coulent très facilement donc je vais pas faire de conneries. On va se retenir. C'est là entre le stress, la honte, la joie en même temps parce que je suis super contente d'avoir fait un swap avec Manu même si je suis carrément gênée. Toutes les émotions cumulées, moi ça. Il y a tout qui coule facilement. C'est chiant, hein. J'en ai marre d'être une fille. Hein. Donc je vais l'ouvrir devant vous, avec vous, parce que du coup j'ai pas ouvert, hein, j'ai juste ouvert le carton, c'est tout, hein, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, c'est la surprise totale, mais j'ai déjà le cœur qui bat 100 à l'heure. Je sais plus où mettre, je suis tellement gênée, c'est un truc de dingue. Alors j'ai installé ma caméra là-haut, parce qu'au lieu de déplacer mon téléphone à chaque fois pour vous montrer, vu que ma caméra elle a plus de son, mais elle a l'image, et bah comme ça je l'ai installée là-haut. Donc vous allez pouvoir voir de là-haut en même temps. Alors je vais me faire chier à faire un montage vidéo, mais je me suis dit en même temps ça sera beaucoup plus simple que de faire tout avec le téléphone, ça aurait été trop compliqué. Là il y a tous les deux en même temps, comme ça je suis très bien. On s'en fout complètement. Bon, je vais ouvrir le carton. Donc là vous allez voir par au-dessus. Voilà le très gros carton. Il a du mal à rentrer dans le cadre, tellement qu'il est énorme. Donc je cache l'adresse hein, parce que j'ai pas pensé à l'enlever comme une con. Alors, attendez. Ça a bougé. Donc comme elle me le dit dans le message, non mais t'inquiète pas, c'est un petit swap quand même, le carton il est vide, il n'y a pas grand chose dedans. Ouais, tu te fous pas un peu de ma gueule Manu là, tu veux que je t'engueule? Rien de moi ça. Non mais regardez-moi ça s'il te plaît quoi.
c'est un truc de dingue. Bon, attendez. Je vais juste prendre la boîte. Oui, ça. Et c'est lourd en plus, hein. J'enlève le carton. Alors, t'es tombée dans le mille parce que moi, je suis une accro des boîtes. J'adore le rangement. Je suis hyper maniaque. Il m'a un truc de dingue. Je suis une collectionneuse de boîtes. Donc, celle-ci, elle va faire partie de ma collection parce qu'elle est vraiment, mais vraiment, mais vraiment trop magnifique. J'adore. Sur le thème de l'hiver, mais je m'en fous. Au printemps, elle sera quand même ici dans mon salon. Ah, je suis trop fan. Elle est magnifique. Elle est super belle. Donc là, t'es tombée dans le mille. Rien que pour ça. Donc, c'est parti. On va l'ouvrir. Tadam! Donc j'ai le petit mot que j'ai déjà lu, hein, que je garde pour moi bien évidemment. Un super petit mot, déjà merci énormément Manu. Manuela. Il y a aussi sa petite carte, alors vous retrouverez toutes ses coordonnées en barre d'infos bien évidemment. Sa page Facebook, son compte Instagram et sa chaîne. Et donc on a le menu, voilà. Avec en plus un autre petit cadeau que je vais certainement accrocher dans mon sapin. Et après que je vais garder bien précieusement. On a plein de jolies petites paillettes en flocons de neige aussi qui sont trop mignonnes, trop jolies. Et attendez que je les perde pas, je vais les garder. Hein. Je suis une collectionneuse, moi je garde toujours tout, je sais pas mettre à la poubelle, je garde tout. Et donc, très bien emballé. Oh, oh la vache. Oh la vache. Oh mais c'est pas possible. Manu, qu'est-ce que t'as fait? Il y a plein de chocolat et tout. Mais moi j'ai pas fait tout ça. C'est pas possible. J'y reviens pas. Franchement c'est hallucinant quoi. C'est un truc de dingue. Mais j'ai pas fait tout ça moi. Ça c'est certainement pour mes filles. J'ai même pas fait de cadeau pour tes enfants. Oh, j'ai honte de ce que j'ai fait. Oh, je sais pas où me mettre, c'est hallucinant quoi. Et on va pas trop traîner parce que sinon c'est pas la peine. Je vais pas être bien. Je vais faire un malaise devant vous, c'est pas le moment. Hein. Donc on va commencer par le petit 1 et c'est marqué parce que je les adore. Alors il est où le 1? Ah oui, alors merde, c'est vrai, je vous avais pas dit, je viens de tomber dessus par hasard. En fait, on a fait ce swap parce qu'à l'origine, on faisait un échange. La proposition d'échange que j'ai faite, on a fait un échange. Et donc ça, bah justement, ça concerne la proposition d'échange. Enfin, ça concerne notre échange. On a profité en même temps pour faire un petit swap. Donc l'échange, je vais l'ouvrir après. Moi, je commence par le swap, là, je suis trop impatiente, c'est pas possible. Donc je trouve le numéro 1. C'est marqué où, là? 5, 3, il est où, là? 2. 1, il est là le 1. Donc on l'ouvre. Alors attends, je mets ça de côté. Par où, je sais pas. Et je trempe comme une feuille morte en plus. J'ai pas assez de place sur ma table. Vous me voyez là? Je sais même pas. Attends, hop, pousse, pousse. Oula, oula, où j'ai poussé ça? C'est bon là? Je sais pas si c'est bon. Bon, allez, on l'ouvre. On l'ouvre comment? Putain, puis les petits rubans, c'est génial, je vais pouvoir les garder aussi, ça. Oh, j'ai fait ça à l'arrache comparé à toi. Putain, j'ai honte. Je vais le dire je sais pas combien de fois, quoi. Oh. Attends. J'arrive pas à enlever les petits nœuds, déjà. Je suis cadrée partout, ça va? Oh, bon, j'arrive pas à enlever le petit nœud. Hop, on va le garder. J'y mets où? Dans le carton. Bon, il y a de la chaîne là-dedans. Allez. J'ai peur. Oh, il y a des jolies boîtes. Encore des boîtes. Oh là là, oh, je vais être trop fan, moi. Il y a plein de jolies boîtes. Oh, c'est trop joli. C'est magnifique. C'est trop beau, hein. Oui, j'adore. Je tremble. Oh la vache. Oh purée. Oh c'est un truc de dingue.
vois bien. Je sais même pas. C'est trop beau, hein. C'est magnifique. Elle est trop mignonne. C'est Ariel, la petite sirène. Trop jolie. J'adore, c'est trop beau. C'est magnifique. Zen. Oh purée. J'ai même pas de mots. C'est dingue. Hein. Allez, on ouvre le 2, hein. On arrête de blablabla. Je sais pas. Alors, il y a marqué, certaines sont pleines de potions. Et ce serait pas des petites fioles? Voilà, c'est parti, le 2. Oui, il y en a encore un là. Et puis c'est des petites boîtes. Ah, c'est excellent ça aussi. Plein de petites boîtes. Oh, comment c'est joli aussi ça! Et tes paradis au niveau des chaînes, elles sont super longues à chaque fois. Ah, c'est excellent. C'est trop joli. C'est une petite fiole. C'est trop mignon. Putain, du coup, la caméra, elle est vachement haute. Et donc, je suis cadrée. Je sais même pas, hein, je vois pas. C'est super beau. Ah, le soleil revient. C'est génial. Ah, va être un petit peu mieux éclairé. C'est trop beau. Moi, je suis trop fan. Ensuite, on passe au 3. Ouais, attends, parce que là, il y a la trappe rêve en plein milieu. Je ne pouvais pas ne pas en faire. D'accord. Le 3, il est où? Ah, bah, il est juste là. Hop, il y a. Elle est trop belle. Ah, con, va. Je me suis fait mal à l'ongle. Les boîtes, elles sont trop mignonnes. J'adore. Handmade with love. Ouais, j'ai un accent pourri, je sais. C'est trop joli. Ouh là là, ça casse, c'est bien enveloppé. Oh là 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 là. Un magnifique dragon, mais comment il est trop beau. Oh, c'est un truc de dingue. Il est trop beau. C'est un... À chaque fois, en fait, un mélange de la résine avec de la polymère, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment magnifique. Il est trop beau. Je sais même pas si ça fait la mise au point, si je suis cadrée, il n'y a rien du tout, j'en sais rien. Je vais essayer de faire des close-up après de toute façon. Mais c'est trop beau. Vraiment magnifique. Je le vois en transparence là, c'est excellent. Il est super beau. Pas suivant parce que je vais pas faire durer le suspense, sinon je vais pas tenir. C'est pas possible. Alors le numéro 4, c'est pour y mettre toutes tes bonnes idées. Un petit carnet? Ça serait cool ça parce que j'en ai pas, les miens, à chaque fois j'écris sur des post-it, c'est pas... Ah, ça serait super. Alors le 4. C'est un 7 ou un 4 ça? Non, comme ça. Ouais, c'est un 4. C'est lui, hein. Attends, 5. J'ai marqué où là? 9. 6. Ah bah non, le 7 il est là. Oh, c'est gros le 7, dis donc. Bonus. Oh non, pas de bonus. Oui, il y en a déjà, c'est comme ça. Ça, j'ai dit quoi, ça? Le 9. Ok, bon, ça doit être ça, le 4, alors. Ben, hop, que je fonce dans personne. Allez, on ouvre le 4. On ouvre le 4. Non, du super papier craft, c'est génial. Ouh là là. C'est bien emballé encore. Ah, il y a quelque chose de réalisé à la main là-dessus.
Il a dit heureusement qu'on avait dit un petit swap, Manu. Hein. Ça va pas aller, Manu. Ça va vraiment pas aller, Manu. Non, parce que j'ai pas envie de tout déchirer, moi. Ah oui, il y a du scotch partout, là. Mais j'ai pas pris mes ciseaux. Non, c'est bon. Ça y est, j'arrive. Ça y est, trouver le petit bout. Hop là. Oh. Voilà. Boulette. Oh putain, puis moi je rigole quoi. Oh la vache, comment il est trop beau. Oh non, le truc de dingue. C'est trop joli. Comme il est magnifique. Oh putain, je vais m'en... Oui, je... Non, je vais même pas oser m'en servir. Oh, il est trop beau. Je suis trop fan. Il est magnifique. Hein. Il est trop beau. J'adore. J'ai même pas le droit à une dédicace à l'intérieur. C'est pas sérieux. Hein. Non, je rigole. Oh, il est... C'est magnifique. Moi, je vais quand même écrire dedans, c'est la moindre des choses, hein, parce qu'en plus, j'en avais pas de petit carnet. Mais une fois qu'il sera fini, je vais le garder bien précieusement, ça c'est sûr. Ah, il est trop beau. J'adore. Oh la vache, c'est ce que j'ai fait à côté de toi, c'est vraiment de la gnognotte, quoi. Oh, c'est magnifique. Garde son sang-froid, c'est dur. Ouh. Allez, ouvre-t-elle des portes secrètes? Le numéro 5. C'est une petite clé, ça. 5. 5, il est là. Encore une petite boîte. Ouais. Avec plein de jolies plumes. Moi, je vous avais pas menti, mais à chaque fois, il y a plein de jolies petites plumes. J'aime pas les plumes. Bah non. J'adore ça. Ah ouais, excellent. Ah, attends, parce que ça, ça en met partout. Oh, c'est trop joli avec des petites plumes, encore des petites plumes. Ah, c'est magnifique. Ah oui, d'accord, ça se met comme ça, ok. Ah ouais, c'est trop classe. Mais c'est dingue, toutes les idées que t'as, c'est vraiment d'enfer, quoi. C'est super joli. En toute simplicité, mais moi j'adore ça. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment magnifique. Hein. Moi j'adore. Puis c'est resté vachement souple la fimo là, la polymère. C'est dingue. T'es sûr que t'es de la polymère tellement que c'est souple. C'est hallucinant. Ah c'est magnifique. Allez, au suivant. Le 6, une protection si on y croit. Une amulette? Un gré-gré? Ça peut être plein de choses. En tout cas, je suis sûre que ça va être très joli. Le 6, 6, 6. C'était toi le petit 6. Encore une petite boîte. J'ai plein de rubans, ça c'est génial. Oh, il est caché où? Oh là 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 là, mais putain, tout. Pardon, je dis des gros mots. Oh, c'est plus fort que moi, hein, vous m'excuserez. C'est trop joli, ça aussi. C'est dingue. Moi, j'ai pas fait autant de créations, j'ai fait aussi des cadeaux. Des cadeaux, comment dire? Bah, vous verrez sa vidéo, hein, de toute façon. Hein. J'ai fait des cadeaux pour faire des créations. Pas que des créations. Là, elle m'a fait que des créations. Donc, je me sens un peu couillon. J'étais radine, du coup. Enfin, oui, de toute façon, j'ai été radine, ça, c'est sûr. Enfin, bref. Vas-y. Il faut que j'arrête de parler de ça. Ah non, mais il est trop beau aussi, celui-là. Oh, c'est dingue. Il est magnifique aussi, celui-là. Aïe, 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 aïe. Un très joli collier. Ah, oh, j'adore. C'est un truc de fou.
et on s'organise. Oh, ça c'est bien, ça j'adore ça. Rien que ça me parle. C'est une jolie boîte. Une jolie petite boîte. Féerique. Ah mince, j'ai cassé. Ah, j'aime pas casser moi. Oh purée. Oh là 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 là. Oh, c'est un truc de dingue. Rien que le carton déjà, il est trop joli. Alors, on l'ouvre par où? Par là. Ah, c'est bien, t'as pensé à moi. T'as mis une languette. Une super petite boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Où est-ce qu'il est caché? Bah, il est caché où? Il est... Oh, oh la vache! Oh purée! Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh! Trop bien! C'est trop bien! Mais comment t'as réussi à faire ça? C'est excellent ça! Encore un mignon petit dragon! Trop joli! Un petit dragon qui fait dodo sur des feuilles. Mais c'est dingue toi comment ta polymère reste souple! Hallucinant! Il est trop beau! Une jolie petite boîte avec un petit dragon qui fait dodo dessus. C'est trop beau. J'adore. Oh là là. T'es trop mignon, toi. Oh, j'aime trop. Ah, c'est trop joli. Je kiffe de trop. Il est trop beau. J'adore. Magnifique. Oh, merci énormément, Manu. Je crois que je ne l'ai même pas dit depuis le début. Oh, merci beaucoup, Manu. Je me rattrape, excuse-moi. Ah non, c'est trop trop beau. Tout est vraiment magnifique. Hein. Je me sens honteuse. C'est un truc de dingue. Je suis vraiment pas à la hauteur. Hein. Vraiment pas. Le 8. On passe au 8. Le bonus. Bah oui, un bonus de plus. Allez, soyons fous. Car ça ne pouvait pas se passer sans elle. Encore un bon gros cadeau. Hein. Je sais plus où mettre, c'est hallucinant. Mais qu'est-ce que c'est? Ouh! Hein? Encore un petit flocon. Ouh, c'est... Oh! Je viens juste de voir ça, ça m'a suffi. Oh la vache. Ça ne pouvait pas se passer sans elle. Non, ça c'est clair, ça ne pouvait pas se passer sans elle, non? Bien. J'ai cherché mes ciseaux là par contre, je crois. Non, je vais y arriver ou pas? Je vais y arriver. Il n'y a pas de façon. Ça casse alors que j'ai tout doucement quand même. Hein. Je dirais un photophore en vue d'œil. J'adore les bougies en plus. Hein. Attends, parce que moi je suis très maladroite alors pas de conneries. Paradin sur le scotch non plus hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, est-ce que je vais pouvoir? Oh, c'est trop la classe. Ça y est, c'est fini là. Hop, voilà. Ça y est, j'ai réussi. Il n'y a plus, hein. Me fais pas de blague. Hein. Attends, la bougie est partie. Une bougie à paillettes en plus.
Oh là là. C'est trop beau. C'est trop joli. C'est dingue. Les idées que t'as. Trop classe. Trop trop classe. C'est vraiment d'enfer. Je les cache sinon mes filles vont vouloir me la piquer. C'est pour moi. Elle va mettre sur mon bureau. Trop jolie. Elle est vraiment magnifique. C'est trop beau. Encore un grand merci, Manu. C'est vraiment... Pouf. Allez, il n'en reste plus que deux. Allez, on passe au 9. Numéro 9. C'est quoi le numéro 9? Un petit plus pour tes créas. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y en a plusieurs. Le petit sac. Je sais même pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est vachement bien caché, j'arrive pas à voir. Qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à reconnaître. Oh. Oh. Non. C'est trop joli, ça. Petite cloche. Oui. Oui. Oui, on appelle ça une cloche. Donc, du coup, je sais plus, je suis perdue. Trop joli. On le voit ou pas? Je sais pas si on le voit. C'est magnifique. Je vais perdre mes mots là, c'est moi. J'ai vu beaucoup d'italiennes les utiliser, ces petites billes là, notamment sur les petites sirènes pour faire des petites gouttes d'eau. Ça casse ou pas? C'est du verre ou. Oh, c'est excellent! Oh purée! Oh, une clé! Une clé steampunk déjà rouillée! Tain, trop fort ça! Trop bien, trop trop bien. Des jolies paillettes dorées. Oh, elles sont trop belles celles-là. Elles ont plusieurs tailles différentes dans un petit pot. J'adore, c'est... Oh, tu peux faire des jolies choses avec ça. Putain, mais c'est la grosse boîte, hein. Oh là 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 là. C'est bon, il y en a plus un. Hein. C'est bon là. Oh, c'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment magnifique. Merci énormément Manu encore pour tout ça. C'est vraiment trop beau quoi. Je vais pas oser les utiliser tellement que c'est trop joli. Alors, on passe au dernier, le numéro 10. Oh, is. C'est mon tout premier. Je préviens, il n'est pas parfait. Lol. Moi, je suis sûre qu'il va être magnifique quand même. Te connaissant, tu ne fais que des très jolies choses. Oh purée, c'est toi qui l'as faite? T'es sérieuse? Non, pas la pierre quand même. Si? Putain, c'est rien beau. C'est un arbre de vie sur une pierre. C'est une labradorite. Oh la vache, comment c'est magnifique ça. C'est mon premier, je préviens, il n'est pas parfait. C'est quoi le premier? C'est le fil de fer? Non, la pierre, c'est pas toi qui l'as faite quand même, si? Elle est plus que ressemblante, sinon. Non, c'est une vraie. Mais une vraie pierre, mais t'es pas bien dans ta tête. Puis l'arbre de vie, il est magnifique. Hein. Il est pas parfait. Bah, bien sûr que si, moi je l'adore. Oh la vache, c'est vraiment... Hein. Oh, trop beau, trop beau, trop beau. Il est vraiment magnifique. Je pense qu'à la caméra, on va pas voir tous les effets de la pierre, mais c'est... D'ailleurs, regarde-moi ça. Oh, c'est une vraie, c'est obligé. Putain, t'es folle. C'est pas possible.
j'adore, c'est trop joli. Ah, il est vraiment trop trop beau. C'est un truc de fou. Et il reste plein de jolies petites choses. Et il reste des cadeaux là. Pour Jade. Et pour Luna. Mais t'es pas bien, il y avait déjà assez de chocolat comme ça. Qui c'est que t'as fait comme bêtise? Et les filles, elles sont pas là, elles peuvent pas ouvrir leurs cadeaux pour l'instant aussi, c'est con. Puis je leur donnerai les chocolats. Autant le chocolat, j'en mange un peu. C'est trop bon. Donc maintenant, il me reste encore l'échange à ouvrir. Donc c'est parti. Je me souviens même plus ce qu'on s'était échangé. Oh, c'est quoi? Oh, il y a un petit dragon qui est tombé. C'est un petit breloque dragon qui est tombé. Oh, encore un dragon. Et encore un là. Aïe 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 aïe. C'est pas sérieuse. Il y en a plus que prévu là. C'est trop joli. Oh, autant il y en a la tonne. Elle m'a réalisé plein de petits cadres en résine pour faire des petites chibis après. Oh la vache, tout ce qu'il y a, ils sont trop beaux. Un truc de dingue. Oh, trop forme. Ah, oh, c'est magnifique. Attends, je suis pas dans le cadre. Il y a plein de jolis cadres en résine pour faire plein de petites chibis qui sont trop... Ils sont beaux les cadres. Je vais même pas oser les utiliser tellement qu'ils sont beaux quoi. C'est un truc de dingue. Trop joli. Mais on n'avait pas prévu qu'il y en aurait autant. Oh, truc de fou. Des petites breloques flèches. Là, il y a des petits dragons. Mais ça, c'est pas prévu non plus, ça. Encore un grand support camé. Encore un autre. Et trois breloques tête de mort. Mais c'était pas prévu, tout ça. Aïe, 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 aïe. Eh ben, dis donc. Je sais plus où mettre, là. C'est hallucinant. Même l'échange, elle m'a rajouté des choses, quoi. C'est pas sérieux, hein. C'est pas sérieux. Sont vraiment trop trop beaux. Donc voilà ce qui concerne la proposition d'échange, l'échange qu'on s'est vu qu'on a échangé. Je sais plus, au secours, je suis perdue. Ah, c'est un truc de dingue, ils sont trop beaux, vraiment j'aime trop, ils sont magnifiques. C'est dingue comment t'arrives à faire des choses comme ça en résine. Je suis nulle à chier en résine, moi, sérieux. C'est trop beau. Je suis trop fan. Donc franchement, un immense merci Manu pour tout. Tout est vraiment magnifique. T'es tombé dans le mille, hein. Je crois que tu me connais par cœur. Hein. On lit en moi comme dans un livre ouvert, c'est trop facile. Non, franchement, c'est trop trop beau. Je sais pas où mettre, quoi. Je me sens tellement gênée par rapport à ce que j'ai pu t'offrir. Je suis perdue. Je sais pas, je sais plus, j'ai perdu mes mots. J'en sais rien, je sais pas quoi dire. Franchement, là, je reste sur le cul. Heureusement que je suis assise. Hein. merci infiniment, c'est tout ce que j'arrive à dire jusqu'ici, quoi. Donc, mon but, normalement, c'est de vous redire d'aller voir la vidéo de Manu, mais en même temps, j'ai tellement honte de ce que je lui ai envoyé que je préfère même pas que vous alliez la voir. Non, je déconne, vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Non. On va te donner des armes, c'est pas mon délire. Non, vous faites comme vous voulez, mais bon, j'ai tellement honte de ce que je lui ai envoyé, quoi. J'ai vraiment fait les choses à l'arrache, bas de gamme.
Non, comparé à ce qu'elle m'a envoyé, c'est vraiment trop magnifique, quoi. C'est super joli. Donc, ça, c'est là. Il y a ça. Il y a le sublime carnet qui est trop beau aussi. La petite amulette. Ensuite, il y avait quoi encore? Parce que du coup, j'avais rangé. Ah, et le petit collier avec l'aile, les ailes. C'est trop joli. Dans celui-là, il y avait le magnifique dragon. Trop, trop beau. La petite fiole qui est trop jolie aussi. Et le tout premier, c'est la petite sirène. Trop jolie, trop beau. Puis en plus, j'ai plein de nouvelles petites boîtes, donc ça, c'est vraiment génial. Moi, je suis contente. C'est super beau, quoi. Moi, je suis trop fan. Et puis, la petite pierre labradorite. Non, mais n'importe quoi, j'ai envie de te lire. Ah, c'est un truc de dingue, c'est vraiment magnifique. Un grand merci à toi Manu pour tout ça. Je sais pas quoi dire d'autre, je sais même plus me parler français. J'ai jamais su parler français, tu me diras. Mais ah non, je sais plus là, je suis complètement perdue. C'est un truc de dingue. Faut que j'arrive à redescendre de mon nuage là. Oh, le truc de fou. Donc je sais pas quoi dire. Alors je vais dire les choses simplement. Parce que de toute façon moi j'ai jamais été très douée pour faire des discours. Mais ce que je dis, je le pense sincèrement, ça vient du fond du cœur. Merci pour tout. C'est con, hein, c'est basique ce que je dis, mais je sais pas comment m'exprimer en fait. Merci pour tout, tout simplement. C'est un truc de dingue. Je sais plus où mettre, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire, je sais plus où aller. Je suis perdue. Merci énormément Manu pour tout ça. Tout est magnifique, tu es tombée dans le mille pour tout. C'est vraiment trop beau, quoi. Un grand merci Manu. Grand merci. C'est vraiment top du top, quoi. Donc je vous conseille d'aller voir sa vidéo, même si ce que je lui ai fait, ce que je lui ai envoyé, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis vraiment pas à la hauteur, j'arrive même pas à la suivre. Mais vous pouvez quand même aller voir sa vidéo, hein. Tout sera en barre d'infos, bien évidemment. Allez voir sa chaîne YouTube, son compte Instagram, sa page Facebook, allez voir tout. Suivez-la, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment une super personne. La preuve, ce qu'elle m'a fait, ce n'est pas rien, hein. Donc allez voir tout ce... Allez voir. Filé. Franchement, non. Je sais plus. Je suis perdue, là. Je te jure, je suis carrément à l'ouest. Oh, le truc de dingue. J'ai pas fait les choses aussi bien, aussi proprement, aussi délicatement. J'ai l'impression d'avoir fait ça à l'arrache comparé à toi. Mais carrément, quoi. Tout était bien enveloppé dans des jolies petites boîtes. Tout super bien décoré. Moi, j'ai fait du papier cadeau à l'arrache. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Oh, je pensais pas que t'allais me faire quelque chose d'aussi immense, quoi. Un truc de dingue. Et heureusement que c'était qu'un petit swap. Hein. J'appréhende si on en fait un grand. Hein. Ah, le truc de dingue. C'est waouh. Bah allez, on va couper court. Hein, parce que je n'ai cette vidéo-là, elle était déjà très très longue. Hein. Oups. J'ai pas fait exprès. Donc merci énormément encore une fois Manu pour tout. J'espère que ma vidéo, même si elle était approximative, parce que j'étais un petit peu perdue, ça t'aura quand même plu. Ça vous aura plu à vous tous, tout le monde, les gens aussi, hein. Parce que tous les petits curieux qui vont regarder cette vidéo là aussi. Je rigole, oh. Donc franchement voilà. Bon bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu à tous. Et puis voilà, je coupe court. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Encore un très grand merci. Je suis vraiment trop chaud aux anges là. Merci beaucoup pour tout. Et puis voilà, encore des bisous. Et à très bientôt. Bye bye.